Frères des forces armées, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères africains, je suis le commandant Abdoulaye Fofana des forces armées de la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser pour la énième fois au président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, ainsi qu'aux organisations africaines telles que la CEDEAO et l'Union africaine. Bien avant, j'aimerais observer une minute de silence à la mémoire de ces personnes qui ont récemment perdu la vie dans le combat de l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Pour commencer, Monsieur le Président sortant, Alassane Dramane Ouattara, si vous aimez réellement la Côte d'Ivoire, comme vous le prétendez, vous devriez entendre le cri de cœur du peuple ivoirien qui vous demande non seulement de respecter la Constitution dans son intégralité, mais aussi de la faire respecter selon le serment que vous aviez prêté. De ce fait, vouloir briguer un troisième mandat présidentiel vous est strictement interdit par cette même constitution. Dû au climat sociopolitique délétère qui engendre un état d'instabilité, le peuple de Côte d'Ivoire impose le report de la date de l'élection présidentielle et demande une démarche de dialogue élargie à toute la classe politique afin d'établir des règles électorales crédibles, transparentes, inclusive et acceptée par tous pour aboutir à des élections apaisées. Monsieur Ouattara, les Ivoiriens dans toute leur diversité vous prient de préserver leur avenir qui s'est assombri depuis l'annonce de votre candidature pour ce troisième mandat qui, pour le préciser, est anticonstitutionnel. À ce jour, nous enregistrons déjà plus d'une quarantaine de morts et l'embrasement de plusieurs villes et villages sur l'étendue du territoire ivoirien. Monsieur Ouattara Dramane, nous vous mettons en garde contre le risque de guerre civile qui se profile sur la Côte d'Ivoire à cause de votre obstination absolue à vouloir rester au pouvoir de gré ou par force en violant les normes, règles et lois de notre pays. Monsieur Ouattara Alassane, si pour votre ambition personnelle et votre soif de pouvoir, vous feignez au mépris du peuple jusqu'au point de ne pas percevoir les ingrédients de ce cocktail explosif qui pourrait ensanglanter notre beau pays, vous en serez tenu responsable et soyez-en sûr qu'au moment opportun, vous rendrez compte devant le peuple et les juridictions nationales et internationales. Monsieur le Président sortant Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir n'est pas éternel. N'ayez ni peur, ni inquiétude, car il existe bel et bien une vie après le mandat présidentiel. À titre d'exemple, vous avez le président, l'ex-président Obasanjo du Nigeria, l'ex-président Jerry Rawlings du Ghana, l'ex-président Abdoul Diouf du Sénégal, pour ne citer que ceux-là, parmi tant d'autres, qui savourent pleinement une vie paisible et agréable, loin des palais présidentiels. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ne nous voilons pas la face, car le pays va mal, en pire. Je dirais même, avec certitude, que nous frôlons le pire. Le temps est arrivé de regarder les choses en face, car il s'agit de préserver non seulement des vies humaines, mais surtout l'avenir de toute la nation ivoirienne dans son intégralité. Monsieur Dramane Ouattara, pour la cohésion, la paix et le bon vivre entre les enfants de la Côte d'Ivoire, il est impératif de libérer tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, les prisonniers militaires et de permettre aux exilés de rentrer chez eux en Côte d'Ivoire afin de tous participer à la construction de l'édifice de la nation ivoirienne.
Quant aux dirigeants de la CEDEAO et de l'Union africaine, votre attentisme est déconcertant. Souhaiteriez-vous que la Côte d'Ivoire entière s'embrase et ensuite venez jouer aux pompiers ou les médecins après la mort, comme nous l'avons constaté dans d'autres pays africains? Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous rappelons qu'au-delà du territoire ivoirien, c'est l'ensemble de la sous-région ouest africaine qui pourrait se trouver mis à mal par ces velléités de tripatriage des constitutions et des présidences à vie. Votre immobilisme entache profondément la crédibilité des institutions que vous êtes. De ce fait, il est important et voire même urgent d'actualiser vos procédures afin de vous ranger du côté du peuple contre leurs bourreaux, de chefs d'État irresponsables qui exposent leur nation à des souffrances inacceptables, mais pas l'inverse. Il ne serait pas juste de mettre un terme à mon intervention sans interpeller le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le général Doumbia, chef d'état-major général des armées, le général Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie, le général Issouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, et enfin, l'honorable Kwadio Konan Bertin du KKB. Car encore, une page sombre de l'histoire de notre nation, la Côte d'Ivoire, se dessine. Monsieur le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, votre silence nous confirme votre consentement à ce bain de sang des innocents ivoiriens, juste parce que vous pensez occuper le portefeuille présidentiel. Après, Monsieur Ouattara Dramane. Qui pensez-vous gouverner après avoir exterminé tous les Ivoiriens? Gardez-vous le silence parce que notre village, Séguéla, ne traverse pas des moments de trouble pour le moment. Quant à vous, mes généraux, êtes-vous fiers de vous quand vous sécurisez vos familles et assassinez les familles d'autrui? Une chose est sûre, demain, l'histoire nous jugera tous et vos noms seront à jamais gravés sur le côté néfaste de cette histoire. Chers frères KKB, n'acceptez pas de salir votre carrière politique en associant votre image à ce bain de sang que vaille imposer M. Ouattara Dramane à notre magnifique pays. À mes frères et sœurs de défense et de sécurité des forces armées, protégeons notre nation, sécurisons notre territoire, faisons respecter nos lois qui font de la Côte d'Ivoire une nation respectable et respectée. N'acceptons pas que M. Ouattara Dramane vienne perturber et même hypothéquer l'avenir de notre peuple. De ce fait, moi, commandant Fofana Abdoulaye, je me range du côté du peuple car nos dirigeants passeront et le peuple demeure toujours. Frères des forces armées, ivoiriennes, ivoiriens, chers frères africains, levons-nous comme une seule force pour réclamer notre liberté et instaurer la démocratie sur notre emphatique continent qui est le berceau de l'humanité. Pour clôturer, je tiens à saluer mon père spirituel et aussi le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre nation, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Commandant Abdoulaye Fofana, à bientôt.